Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ici Pilo Bill, j'espère que vous allez bien. On va continuer notre aventure sur Shadow of the Tomb Raider, la 11e partie. On était arrivé à un tombeau facultatif la dernière fois. On va voir où l'on en est, comment on va réussir à le résoudre et surtout après combien de temps. Un petit jeu de lumière. Tout est là. Il me Je peux semble plus que rien j'avais entendre. récupéré un texte me donnant l'ordre, un peu de résolution de ces différents miroirs. J'accroche. Je ne sais plus trop, évidemment. Comme escompté, on a oublié. On verra si on retrouve, si on enfin, je me souviens, Chouya, mais sans plus, on va dire. Alors, ici, ça a l'air d'être la sortie. Je suis sûr qu'il y avait des choses à récupérer avant. Je voulais les prendre. Incroyable. Ça doit être ici qu'il faudra que tu ailles au bord du soleil. Dès que tu t'approches un peu trop, malheureusement le perso passe à travers. Ouais, ça vient de là-haut. J'ai me trompé dans les touches. Censé pouvoir l'amener maintenant, ça, à moi. Donc je bouge ça de bord. Illuminer les bases pour faire tourner. Je me disais bien que ça servait à rien de sauter avant. Ça retombe pas alors. Tout simplement Lara. Et c'est malin, hein. Hop là, il se passe quoi? Seul jouer Horizon Forbidden West, du coup j'avais un petit peu peur dans les touches. Je me suis dit, je vais faire une touche, c'était serré pour Aloy et je vais mourir. Lara sera pas le faire. Ah, je vais mourir. Regarde. Le canot est divin qui transporte les Amalia de l'au-delà vers les cieux est dirigé par deux dieux. L'arrêt pagayeuse, assise à l'arrière, mène l'embarcation le jour, tandis que le jaguar pagayeur, à l'avant, prend la relève à la nuit tombée. Ces dieux symbolisent la lumière et les ténèbres, ainsi que l'interdépendance de toutes les forces égales et opposées. Ok. Ok. Bon, bah on a récupéré apparemment tout pour le lore, ici. Vous pouvez. Il y aura peut-être quand même 2-3 une cache. On a récupéré tous les documents et autres. Oh, ça serait magnifique. Ça serait magnifique. Il y a quoi là-bas? C'est peut-être la sortie. Bah pourquoi ça serait déjà la sortie ici? Je peux pas traverser. Il faut que je revienne sur mes pas. Je suis bien, je regarde pour le moment. Mais tu sais pas. T'accrocher, purée, sérieux, quoi, Lara, mais oh, ces personnes. C'est relou, quoi, ces personnes qui savent rien faire. Si c'est pas là que tu t'agrippes, elle sait pas le faire, alors que c'est tout simple. Hein.
Elle peut escalader un... Allez, elle sautait pour atteindre un truc bien en hauteur. Si le jeu dit que ça, tu peux grimper. Mais un petit machin où, allez, tu vois, quand elle saute de 30 cm, le truc, il est à 40 cm. Alors que, allez, c'est juste une hauteur de 40 cm. Si le jeu lui dit non, tu peux pas monter là, bah tu monteras pas. Hein. Alors qu'elle a qu'à grimper tout simplement pour le passer. Comme pénible, ça, dans les jeux vidéo. J'ai dû arriver au bon moment. Les membres du clan étaient là il y a peu de temps. Ouais, du coup, faut pas l'oublier. Ouais, lui, tu vois, il y en a une de trop. On n'hésitera pas à ne pas mettre la prochaine. Ouais, il y avait ça que j'avais pas pris. Je savais bien qu'il me manquait un truc. Ah, je crois qu'on l'avait vu la dernière fois. Seuls les êtres dignes peuvent invoquer Kinshajou. Servez-vous de sa lumière pour libérer votre cœur et la cité des ténèbres. De toute façon, de là, je sais pas aller plus loin. Hein. Rien. L'autre, il est retourné. Donc, lui. Fait demi-tour. Pour le moment. Ouais, pourquoi ça freine? On veut qu'une raison. Sortie, mais... Il n'y a pas d'autre lumière là-bas. Il ne semblait pas juste. Il y a déjà une lumière qui tape là-bas, ouais. Qu'elle y va en une chouillette de côté. Et ça, c'est trop ou c'est trop loin? Ouais, ça va pas éclairer là. Sous du fond là.
Si je mets les deux pour le moment, il se passe quoi? Perdons un peu de temps dans cette résolution d'énigmes. Ouais, non, et moi? Mais ouais, mais ça, c'est de ma faute. Je suis trop pressé. Bon, la mort était déjà comptée, donc ça va. Je suis trop pressé à vouloir passer. Du coup, ben voilà. C'est ma faute, hein. Moi, à prendre plus mon temps. On a juste fait 3 mètres en arrière, hein. Vous savez, le jeu, on n'a pas fait grand chose. J'ai dû arriver au bon moment. L'élément du culte était là il y a peu de temps. Je ne peux pas traverser. Il faut que je revienne sur mes pas. Donc avec lui, j'éclaire ça. Comme ça, avec lui, je rééclaire peut-être le pilier. Et je reviens au centre. Scénario terminé, légende Maya, ouais, mais non, parce que c'était celui-là que j'avais là la dernière fois, enfin, ouais, la dernière fois qu'on a live, j'ai récupéré un document en arrivant ici. Il me disait, je me semble, le début de l'énigme. Faut que je regarde. Que ça disait, ouais, genre enfin, traverser, aller le cuter, machin, puis ça devait traverser la pièce après. J'éclaire rien. Ça monte. Ça monte.
rapport à maintenant tout ce côté-ci. Je fais ça. C'est de la merde. Est-ce que c'est dans celui-là? Il y en a des documents, hein. Jean Maya. Chez les Maya, deux demi-frères aînés des fameux. Le canoë divin qui transporte. Il s'agit de deux arbres légendaires sans compte. Votan est un ancien dieu Yaché. Ouais, évidemment. Tu vas retrouver. En cas de tombe. On ne jamais, quoi. Je ne retrouverai jamais, à moins de faire tous les documents. On ne trouverait pas. Je ne vais pas m'amuser à faire ça en live. Ça par exemple, est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est de la merde? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah, j'ai passé 2h30 sur les lignes, ça va être beau. Ça va être beau. Et il faudrait baisser celui-là, enfin tourner celui-là. Elle va pas faire d'effort, elle va pas savoir monter au-dessus. Je vais sûrement pouvoir à la limite aller en haut, enfin au-dessus, sur ça. Il sera encore baissé d'un cran. En fait, c'est que j'ai l'impression que mes rayons ne traversent rien du tout. Ils vont pas arriver à traverser, à toucher un autre. Passage, pont. Ah non, mais je le fais, je meurs. Bah non, après, il y a les. Effectivement. Ah ouais, il y a les rondins, donc elle passera pas. Elle sautera pas. De toute façon, que je me bloque. Que je suis bloqué. Il faut pas la résoudre. Comment résoudre? J'arrive à éclairer les deux mêmes côtés. Enfin, soit le côté gauche, soit le côté droit. Donc celui-ci et celui en face. Ou alors les deux du bout. Pour pouvoir avancer. Bon, ça j'y arriverai jamais à rien. Mais ici c'est clairement pas là. Et là je suis clairement. On voit clairement pas le. Voilà, on l'a pas. Non, on l'a pas. Voilà, on va pas bien avec. Ah mais si, il est éclairé là, mon gros que dalle. Ah ouais, mais du coup, lui, faut que je le rééclaire d'abord, mince. Faut que je l'éclaire avec le miroir là-bas. Pour pouvoir retraverser après. Bon, bah, on va y arriver. Salut Drago! Pilo Kruger, comment ça, Pilo? Oui, le pull. Je crois pas avoir les griffes, je crois pas trop ressembler niveau du faciès. Mais enfin, bon, si tu dis que je ressemble peut-être. Hein.
mis dessus. Voilà, ça c'est éclairé. Comment vas-tu? Légèrement un truc qui est en plein milieu là, qui fait que je vois que dalle. Ça a l'air d'être éclairé. Voilà, évidemment, vous voyez pas du tout qui bougeait. Hein. J'aurais pu encore tourner en rond pendant très longtemps. Tu aimes bien ce pull? Ah ben, tant mieux, hein. Tant mieux pour moi, mais c'est le mien. Tu ne l'auras pas. J'en ai besoin. Voilà, on avance. Incroyable, incroyable. Après autant de temps, on avance un chouïa. Hop. Voilà, et maintenant on en fait quoi de ce truc? Pas trop près, hein. On éclaire là-bas. On éclaire fort, hein. Ouais, y'a un éclair. Ah, c'est plus haut. La lampe est plus haut. À la limite, je peux. C'était là. Ah, je vais l'éclairer ça moi-même alors. Sinon, je reviens pas. Hein. Et je repars par là. Donc, je suis obligé de l'éclairer moi-même. Ça, j'ai envie de dire, et il faudra à un moment donné que j'arrive ici, moi. Donc pour ça, je vais éclairer lui. Et quoi qu'avec comme ça, lui maintenant en bas, je peux monter dessus. Je sais pas si ça va servir à quelque chose, mais je vais pouvoir l'atteindre. On va voir ce qui va se passer. Hein. Ah mais là on est dessus. Ok, j'arrive à l'atteindre aussi de ce côté là. Ah ouais, mais j'avais peut-être la plaque qui m'embêtait à un moment donné, qui m'a empêché de le faire tourner. Bon, on va pouvoir le faire. Je peux venir avec. Ouais, effectivement. Effectivement, je peux venir avec mon pull. Je peux le garder aussi. Deux flèches explosives. Non, si, attends, je sais plus. Qu'est-ce que j'ai? Non, j'ai des flèches de feu, poison. Non. J'ai. Par contre. Ah ouais, mais je suis pas Ititi. Je crois que je l'ai pas encore, mais il y a moyen avec mon fusil. Mais à pas Ititi, elle voudra pas. Donc, c'est non. Tu tournes ça. Tourner. Comme ça, je peux repasser par ici. Ah oui, je vais d'abord l'éclairer, évidemment. Ah, c'est l'énigme. Déjà, quand tu sais pas, tu fais des allers-retours tout plein. Et même quand tu connais la réponse, tu fais déjà de base des allers-retours tout plein. Ouais, j'ai l'impression. Une petite pièce. Enfin, une petite pièce. C'est quand même grande la pièce.
Donc il reste une demi-heure facilement sur la pièce parce que. Bah, faut trop. Parce que tu fais gauche, droite, en devant, arrière, machin. Tu te perds. Ça prend du temps. Et toi, je t'éclaire où? Mais. Là, je suppose. Voilà, toi je t'éclaire là. Ouais, comme ça je vais sur le truc du milieu peut-être. Puis de là, puis de là. Et j'arrive à la fin. Par contre, je remonte comment? Comment remonte le jeu? Ah, mais il y avait ça aussi, tiens d'ailleurs. Associé à toutes les formes de la fertilité et régnait également sur les vents, la foudre et la pluie, celle-ci étant causée par ses larmes. Il était le protecteur des sources, des puits, des ruisseaux et des cénotes. Comme tout ce sur quoi il régnait, il était considéré comme bienveillant et nourricier, mais également imprévisible. Physiquement, chaque était représenté comme un reptile doté de cheveux emmêlés et peint de blanc, rouge, jaune et noir, couleurs représentant le nord, l'est, le sud et l'ouest. Hop, ben voilà, on en sait un peu plus sur chaque. On va se faire ici. Maintenant je peux passer dessus. Là il y arrive, oui il y arrive. Puis on croise les doigts, on croise les doigts. Ça passe, ça va. Ça va. Ouais. Et on va enfin voir la recette de la pâte à crêpes. Une de plus. Tu dois te laisser en fond, ben, pas de soucis à toutes. Hein. Merci d'être passé, Dargo. La fin du Oasin augmente la quantité de ressources naturelles que vous pouvez récupérer pour fabriquer des objets de toutes les sources. Bon, faut. C'est bloqué. Faut sortir d'ici. Ça, c'est pas encore fait. Voilà, le demi-tour. On est revenu au début. Là où c'était la semaine passée. Il y en a l'air d'avoir. Ouais, à part. Non, ça c'est le défi. Donc on a l'air d'avoir tout récupéré, c'est bien. Je vais vite fait aller au feu de camp, évidemment. Regardez tout ça. À voir où est la compétence que j'ai récupérée dans mon arbre de compétences. À voir si c'est évidemment celle que. Mais c'est laquelle que. Oh, mais non, c'est même encore une ici que j'ai récupérée. Oh, mais quelle arnaque.
Même pas un des trois tombeaux que je voulais. Enfin, j'en cherche, je veux surtout un. Ah, 6 points, vas-y, attends. Ça, c'est quoi? C'est les. Ah oui, non. Je sais pas faire les trucs explosifs, moi, avec mon fusil, justement. J'en parlais? Oh. Oh. Non. Regardez, ça c'était un grand plongeon, ça se voit. Ah, j'ai plongé, c'était un grand plongeon du coup. C'est obligé. Laissez-moi sauter à la blue 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 blue. Oui, non, il n'y a pas de. Tout était là, je peux plus rien voir. On aurait pu y aller facilement en fait. On avait su. Si on l'avait su, on ne le savait pas. Des villageois prétendent avoir vu une étrange créature dans les rues. Ils l'ont suivie jusque dans une impasse, où elle a disparu. Une habitante décrit un phénomène similaire dans la ville haute. Elle aurait été réveillée par quelque chose qui tentait de pénétrer par une fenêtre du deuxième étage. Lorsqu'elle a crié, la créature est tombée dans la rue et a disparu. Nous surveillons la situation. Ah, mais cette madame, elle nous avait raconté une histoire de. Enfin, c'était pas la reine ou je sais plus quoi qui regardait son reflet dans l'eau là qui est tombé. Parce qu'il y avait un poisson qui avait flouté sa vision d'elle-même. Non, je veux l'aider. Attends, ouais, je dois parler. L'aider là. Flûte, c'est passé où? Oui, on était avec Pisco, on l'avait trouvé, il fallait pas parler. Il faut reparler au gamin, là, il y avait pas un. Mais il y avait un truc avec. Je devais parler à 4 personnes là. 4-5 personnes. Là, sinon il me faut ma tenue de garde de tempête pour ce monsieur. Retourner voir Pisco, pire, voir ce qu'il veut. Ah, si j'ai parlé à tout le monde ou pas. J'avais pas l'impression d'avoir parlé à tout le monde, hein. Et je pense pas que je vais te dire tempête. Mais oui, je sais bien, mais ils apparaissent plus. Ils apparaissaient avant sur ma carte. Ah mais non, c'est ici. C'était... Voilà. Excuse-moi, je me suis embrouillé. J'ai rien dit. Ah ouais, mais lui, il était... Ah non, mais tu veux pas... Il est passé... Pas besoin de crier, madame. Où exactement l'autre? Il est plus loin. Comment j'allais là-haut? Il y en a un, il se cache, hein. Et. Cosso. Oh, c'est chelou, ça, ce truc bleu, là. Cette teinture, ce drap bleu. C'est chelou. Es-tu un banni? Ah, c'est un banni. Bonjour. Vous êtes un banni? Oui, jeune fille. Bonjour. Je vous ai entendu parler d'un capybara blanc. Oh, pas bah Justin. Ils sont très nombreux. Pisco m'envoie parler à tous ceux qu'on a bannis. Vous êtes un chasseur? Aujourd'hui, oui, mais j'étais fermier. La vie ne me convenait pas. Je me sentais piégé. Obligé d'accomplir des tâches, de répondre aux attentes imposées par ma famille. J'ai fini par refuser et suivre la voie. Et tout ça à cause d'un capybara blanc?
Non, jeune fille, plusieurs. Un soir, ils ont pris mon champ d'assaut, ils ont tout piétiné, mais j'ai rien fait pour les arrêter. Je les ai regardés, et ils m'ont donné une idée. Un troupeau de ces capybaras tout blancs, et si je les chassais? Et si enfin je m'éloignais un peu des champs? Et vous l'avez fait? La meilleure décision de ma vie. Mon père m'a déshérité et a donné la ferme à ma sœur, mais ça va. Je suis devenu chasseur. On m'appelle Païmo le Blanc. Merci de m'avoir raconté votre histoire, Païmo. Merci, jeune fille. Ok. Merci de ton histoire. On est à 3 sur 5. Lui, j'ai pas bien compris comment je vais lui parler. Mais ça fait 4 sur 5, à moins qu'il soit 2 là-bas. Salut Biajo! Ah, il y a de l'écho peut-être? Bah, ça doit être à cause de ça, hein, je dirais. S'il y a de l'écho, ça doit être. Là, il devrait peut-être plus y avoir d'écho. Enfin, après, il faudra peut-être attendre que ça parle bien dans le jeu pour voir. Comment vas-tu? Par contre, ce qui m'embête, c'est que je suis sûr et certain pour un poil. Et que, à moins que ce soit encore plus tard, ouais, c'est peut-être plus tard, c'est que ça, on peut les détruire. On peut faire quelque chose avec. Et pour moi, c'est détruire. Ah, c'est peut-être dans la grotte. C'est peut-être dans la grotte qu'il est. Alors toi, là. Bonjour. Ouais, c'est une bannie. Vous faites partie des bannies ? Oui, jeune fille. Je suis Shaska. Moi, c'est Lara. Pisco m'envoie. Pisco le mort ? Pour me parler ? Vous avez perdu au Patoli ? Non. Un garçon, Taki, a perdu ses dés. J'essaye de les lui récupérer. Pisco veut que j'aille parler à tous ceux qui ont été bannis avant de me les rendre. Je suis surprise qu'il ne les ait pas remis en jeu. Mais si. Ah. Enfin, voilà ce que je peux vous dire. Comme Pisco, j'ai été bannie. J'ai perdu mon travail et mon statut. Mais ce n'était pas à cause d'un accident. C'était à cause de ce que j'ai fait. Et que je referai sans hésiter. Il s'est passé quoi ? Vous avez des enfants ? Non. Moi non plus. Je n'ai pas reçu la bénédiction d'Ishel. Mais j'ai supervisé les 3 accouchements de ma maîtresse. J'ai aimé ses enfants comme les miens, jusqu'à ce que je perde mon travail. Qu'avez-vous fait ? Je suis une voleuse, Lara. Qu'est-ce que vous avez volé ? Un collier de jade. Pourquoi ? La plus jeune, Kayara. Elle a vu le collier en se rendant chez une amie. Elle l'a pris. Ils allaient la punir. Il l'aurait banni. Mais ce n'était qu'une enfant. Alors, je me suis accusée. Ma maîtresse m'a pris le collier des mains et l'a jeté au sol. Où il s'est brisé. Et elle m'a banni. Oh, je suis désolée. Il n'y a et pas besoin. Vous étiez dans le quartier des riches, parce que vous êtes banni, mais vous êtes toujours dans le village. Donc, on vous a banni d'un quartier, je suppose, pas de celui-là. Salut Raptor, comment vas-tu ? Comme ma mère me l'a appris. Et Kayara vient parfois me rendre visite. Ah mais merci Kayara, c'était pas la fille de... Kayara a de la chance de vous avoir. De Hakan ? Bonne chance, jeune fille. J'ai pas de bêtises. Ah, je sais plus, ou alors c'est l'autre. Nukyu, t'as été au ski hier, qui a été claqué. Ben oui, je peux comprendre, fatigué et mal de partout. Ben moi, je me suis reposé. J'ai été voir ma soeur et neveu-nièce samedi. Passé donc en famille. Et le dimanche, je me suis reposé. J'ai joué à Horizon Forbidden West. Enfin, je l'ai commencé. J'ai commencé effectivement Witcher 1. Ah, mais on a trouvé l'autre monsieur à libérer. Mais il me faut la tenue de garde serpent. Oui, oui, mais oui. Ah, mais il me dit des choses. Ah, et ici, le dernier paria. Mais du coup, je suis qu'au début. J'avais déjà un petit peu commencé le Witcher il y a belle lurette. Il y a plusieurs années, je sais pas pourquoi j'avais fait que le tuto en gros. Enfin, non, j'étais la défense de Kaer Morhen mais à l'extérieur. Là, je m'étais arrêté à l'intérieur, je sais pas pourquoi. Et j'avais jamais repris, donc là j'ai recommencé. Et je suis... ouais, c'était... il y a eu Ripleo, il y a eu l'enterrement. Donc j'ai soigné Triss, j'ai Ken Triss.
Et après, cinématique, on part chacun de son côté. Puis chargement de l'infini, je suis. Ah, ça pose, c'est un peu soucieux là, le chargement de l'infini. Il ne veut pas se terminer. Le héron bleu, garde serpent, ouais. Et donc faudra voir quand. Après, c'était tard le soir, enfin, il fallait que j'aille au boss. Enfin, que j'aille me coucher, donc on reverra la prochaine fois. Si je me retape le chargement de l'infini ou si je peux jouer encore et si je vais pouvoir avancer. Hop, hop. Mais j'espère quand même un jour. Bon, tant pis. J'espère pouvoir aller à Vizima vu que c'est là qu'on va. Et Horizon. Ah, c'est cool. C'est franchement, c'est magnifique, c'est superbe. Ben, j'avais hâte, hein. Ouais, du coup, il est sorti vendredi. Non, je suis bien vivante. Le Tout comme vendredi vous. soir, une semaine sur deux, j'ai du Mario Kart avec des amis et tout, donc je l'ai pas Voilà. lancé. Vous pouvez partir. Je l'ai installé du samedi matin, mais je l'ai pas lancé vu qu'après j'allais de toute façon chez ma soeur. Donc je l'ai enfin lancé dimanche matin. J'y ai joué du matin et de l'après-midi. Et c'est pas mal, hein. C'est vraiment bien le jeu. Je sais pas si vous. Enfin, non. Vous. Peut-être pas parce que c'est PC. Enfin, quoique c'est console plutôt, PlayStation. Bien qu'il soit sorti maintenant sur PlayStation. Sur PC, le premier Horizon. Non, c'est. Il est un chouïa plus haut. Franchement, c'est un bon jeu à faire. Pour un échec À aussi découvrir. cruel. Ne soyez pas si dur. Vous allez vite Pas reprendre toujours la mémoire. évident, hein, faut. Si tu n'utilises pas les bonnes armes Si vous voulez que je sur sorte les de là, machines, la marcher vers tu la vas avoir mort, du c'est mal, la hein. moindre goutte de sang. Et quand tu utilises enfin la bonne arme, tu fais. Eh, mais c'est facile en fait. C'est facile, là. Il était pas si compliqué que ça, que c'est ce mob. Pourquoi je galérais, moi? Bah, parce que j'utilisais pas la bonne arme, tout simplement. Quand tu venais voir Poma. Ah, Poma, c'était qui? Il est encore où, Poma, là? Je sais plus, moi, Poma. J'ai oublié Poma. C'est où, Poma? Poma, c'est là-bas, non? Ouais, c'est là-bas, Poma. C'est ce qui me semblait. Au moment, on veut toujours récupérer les dés. Faut que je reprenne ma tenue. Du héron bleu. Oups. Après, j'y joue sur PS4, bien sûr. Donc, faudrait voir ce que ça donne sur PS5. La tenue, le feu, il y a un chouïa devant. Mais on fait le tour. Ah, je me suis dit, est-ce que. J'ai pensé le mettre dans les choix des jeux à faire, dans la possibilité des jeux à faire, mais je me suis dit, ouais, si on fait Horizon, enfin, si jamais c'est Horizon qui est choisi après Tomb Raider, faudra d'abord commencer par le 1. Ça veut dire que le 2, je le commence pas de suite. Je fais, ouais, ça va pas le faire. Ça va pas. Je vais pas apprécier de ne pas pouvoir commencer jouer tout de suite à Horizon. On attendait quand même. Après, c'est encore possible. Ça veut dire que je le ferai deux fois assez rapidement. Hein. Et si Horizon est choisi, on verra. On verra. Il y a plusieurs possibilités de jeu. Il y aura un choix à faire de votre côté. Si on ne les libère pas, ils risquent d'être sacrifiés, assassinés. Hey, ils sont déjà libérés. Et c'était pas toi que je voulais parler, apparemment. Plus à quelqu'un là-haut. Genre toi. Et Mac? Ah mais c'est la vendeuse, non? Bonjour. Ah mais c'est elle que je Bonjour. cherchais. Vous êtes Lara, c'est ça? Celle que je voulais là, c'est la vendeuse, j'en C'est suis sûr. Disco qui vous envoie. En effet, je suis Moreka. C'est la deuxième fois que j'entends votre nom aujourd'hui, Lara. En tout cas, elle sera Les là. membres du culte parlent de vous. C'est vous qui avez déclenché la purification et trouvé la clé de chaque chaîne. C'est moi. Oh, ne vous en faites pas. Ça devait finir par arriver. Nous avons un choix à faire. Soit on continue, soit on repart de zéro. C'est un sacré dilemme.
T'entends ça, Rimac? C'est un dilemme de décider du sort de l'univers. Elle me plaît. Ouais, c'est un dilemme quand même. C'est vrai, Lara. C'est compliqué. Et si le culte de Kukulkan a le choix, il nous réduira en esclavage pour nous protéger. Pas vrai, Rimac? Il est pas bavard. Ouais. Le culte est poussé par la peur. La peur de quoi? La peur de l'extérieur. La peur de gagner, peut-être. Ah, on peut finir. Non. Mais non. Il faut que je continue déjà en normal. C'est la peur. Je suis pas prêt. Je suis pas prêt pour Kena. Le changement est la seule constante. Mais écoute-moi qui m'égare, Rimac. Elle veut peut-être acheter quelque chose pour faciliter. Mais oui, évidemment que je veux acheter des choses. C'est pour ça que je suis là, madame. Je suis là pour acheter. L'ascendeur, voilà. Profitez-en bien. Le crochet, ça coûte toujours cher. Le ruin. Une bonne affaire. Et non, la vision laser, on va pas toujours prendre. Profitez-en bien. Là, par contre, là, c'est cher. C'est cher. On a pas besoin. On a enfin tout ce qu'on voulait pour continuer, ça tombe bien. Ça fait plaisir. Non, impossible. Je peux plus rien transporter. Mais il faut que je continue, effectivement, Kida. Il y en a qui veulent Kena, non, franchement, là, il y en a qui veulent ma mort, hein. Déjà, en plus de ça, dans les autres jeux, à la limite, que je vais proposer, je sais pas si je peux le faire, hein, si j'en suis capable. Que certes, j'ai fait Horizon Forbidden West en mode ultra difficile, mais c'était en New Game Plus. Avec les armes des DLC, donc, qui facilitent grandement la chose, et c'était que l'histoire principale que j'ai fait en ultra difficile. Vous leur avez déjà parlé, c'est en new game, j'en sais rien si ça passe. Mais vous ne voyez toujours pas. Ils avaient tous l'espoir. Va falloir faire mieux que ça si vous voulez gagner la partie, Lara. L'espoir est une chose, mais tous ceux qui ont été bannis se sont épanouis, malgré les circonstances. Même vous, Pisco. Il faut dire aussi que je suis le meilleur joueur de Patoli de Paititi. Bel exploit pour un mort. Je vous l'accorde. Je le répète, qu'avez-vous appris? J'ai appris que le sacrifice rendait la vie meilleure, qu'il ne faut pas se laisser limiter par l'héritage familial, mais trouver sa propre voie. L'amour est plus fort que la mort, et il faut croire en quelque chose de plus grand que soi. Mais au final, on ne peut pas tout contrôler. C'est la façon dont on réagit qui nous définit. Bien dit, Lara. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas mort? T'as compris tout ça? Mais j'avais pas... Même Pisco n'avait pas compris tout ça, j'en suis sûr. Sauf qu'on ne gagne pas une partie en lançant les dés, mais en étant entouré. Je crois que je comprends. Qu'avez-vous pensé de Moreka, la bannie? Elle m'attendait. C'était cher ce qu'elle vendait. Elle avait l'air d'en savoir beaucoup à mon sujet. Oh, elle en sait beaucoup sur beaucoup de choses, jeune fille. Elle a de merveilleux objets dans son magasin. Je comprends pas pourquoi qu'elle a tout ça. Des dieux seuls. J'ai vu. Vous avez eu de la chance de la trouver. Elle s'aventure souvent hors de Paititi pour... Ah ben voilà, comment elle a eu tout ça. Je l'ai trouvée très... très optimiste. Bien sûr qu'elle l'est. Nous avons un dicton à Paititi. Nous créons tous le destin. On ne choisit pas sa situation. Elle me vendait quand même des munitions d'armes à feu. Bien joué. Mais ils sont pas censés apparemment connaître les armes à feu, eux. Donc pourquoi elle aurait ça? Surtout pourquoi elle se ramène avec des munitions d'armes à feu dans un village où on n'en utilise pas? C'est pas en principe une ressource qu'elle pourra revendre. C'est idiot pour un vendeur. Et enfin, je vais pouvoir ouvrir ces fameux coffres au trésor. Enfin, je vais pouvoir avancer un peu plus dans tout plein de trucs que j'avais trouvé que je pouvais pas faire. Ça fait plaisir. Entendu dire que Kena te résistait, alors je veux un jeu qui ne résiste. Mais ils me résistent tous, les jeux, là, un petit peu. Beaucoup. Comment pourrait-elle passionnément. À la folie. Je vois. On dirait des insectes. Ou pas du tout. L'archéologie est une science complexe. Vous devez vous projeter dans l'esprit de gens et de peuples disparus depuis des siècles. Les hommes interprètent les phénomènes qui leur semblent étranges à l'aune de ce qu'ils connaissent. Si les Incas avaient vu des avions, ils auraient peut-être cru qu'il s'agissait d'oiseaux. D'ailleurs, ces formes ne représentent peut-être pas des insectes. Certaines ressemblent plus à des poissons. Oui, ben oui, elle m'attendait, c'est pour ça, mais je vais pas lui acheter ses munitions, par contre. Madame, faut pas déconner, hein. Elle a cru que j'allais les lui acheter. Bon, il faut que je rende les clés à... au gamin, là, à Taiki, là.
Imagawaii. Tout ça pour DD, hein. Que la mission, je l'ai récupérée il y a 3 millions d'années. Je me suis un peu perdu, j'ai un petit peu avancé dans le jeu. Oui, c'est l'hôpital. On va pas passer par là. On va descendre. C'est le long de la rivière qui se trouve, le gamin. Regardez, je vais retrouver là, la vendeuse. Non, mais c'est bon, là, j'ai acheté. J'ai acheté ce que je voulais. Laissez-moi partir, madame. C'est le marché. Marché dans un marché. Ouais, mais elle peut me les vendre, effectivement, mais est-ce qu'elle va me les vendre? Là, c'est la différence. Je lui dis, je lui achèterai pas. Parce que j'en ai pas besoin pour le moment. Surtout, faudra voir vers la fin du jeu si j'ai encore pas assez de munitions. Tu m'avais pas dit que Pisco le mort avait volé TD? Tout le monde sait que Pisco est un voleur. Ouais, mais dans tu sa les version, perdu. C'est toi qui voulais jouer. Et tu as perdu. Il voulait pas me laisser rejouer. Juste un lancer et j'aurais gagné. Mais non. Pisco voudrait que tu saches. On ne gagne pas une partie en lançant les dés. Mais en étant doué. Mais t'es naze. Maintenant que j'ai retrouvé mes dés, je peux m'entraîner. Merci encore, mademoiselle. Mais qu'est-ce que tu m'as donné? Tu m'as donné au moins 250 pièces. Mais quelle arnaque. Tout ça pour 250 pièces. Bon, c'est qu'un gamin, vous allez me dire, mais... Oh, il était chiant. En plus de ça, il a menti. Il a accusé un mort. Bah, je sais pas. Il aurait fallu faire payer double. Je pense. Pour lui apprendre. Ouais, donc si je mets Kenna dans la liste, je sais que le vote de Biagio va sur ce jeu-là. Aïe, 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 aïe. Est-ce que j'ai vraiment envie? C'est quand même un platine. Enfin, du coup, faut que je continue le jeu. C'est quand même un platine que j'ai envie d'avoir. Mais c'est surtout un jeu que je pensais que j'allais bien kiffer, que j'allais m'amuser dessus. Et au final, c'est un jeu où, pour le moment où j'ai beaucoup ragé dessus à la place. Malheureusement. Il me faut jouer quoi que je récupère ma tenue de garde serpent pour parler à l'autre. Toi peut-être. J'ai libéré vos amis et bonne nouvelle. Ils sont libres. Colqui est en vie. Il était en tête quand les autres se sont fait encercler. Il les a avertis et il a pris la fuite. C'est merveilleux. Mais il y a un problème. Je crois qu'il y a un traître dans la rébellion. C'est toi, c'est ta coupe de cheveux. Je l'ai découvert en votre absence, et je vais m'assurer personnellement qu'il est ce qu'il mérite. Très bien. Tenez, prenez ça, pour vous remercier. Il y aura deux quêtes qu'on finit d'affilée, incroyable. Si vous dites vrai pour Colqui, il doit être dans la planque de la montagne. Vous pouvez aller le trouver. Oh mais j'ai rien dit, c'est pas fini, c'est pas fini. Je vais le chercher. Je me suis anticipé, là. J'ai anticipé, enfin, apparemment. Enfin, je récupère quand même des choses. Oh, mais Colqui, c'est pas fini. Il y avait Monkey qui avait proposé les Souls Bloodborne. Enfin, ou au moins, peut-être pas tout, mais les Souls. Ah, 250 pièces, faut voir la valeur aussi de l'argent. Hein. Ça se trouve, 250 pièces, ça équivaut à 2,50€. Hein. C'est quand même beaucoup aussi, peut-être pour lui, mais. Certes, mais bon, c'est de l'arnaque. Il y avait ça, j'avais pensé à un moment donné à Nier Automata et du coup pourquoi pas derrière Nier Réplicante, évidemment, pour faire les deux, que je découvrirai. Compétences, il faut que j'avance aussi dans l'histoire, parce que ces trois tombeaux là, c'est dans l'histoire hein, au final. J'ai l'impression, ah, je sais pas, je vois pas quand je les débloque. Il me reste plus que. En principe, il me reste plus que deux. Je me suis dit que c'était avec les DLC que c'était compris dedans, mais il me reste plus que deux DLC à faire. La forge, qui est le premier d'ailleurs, et le tout dernier en date. Peut-être que je garde cette tenue pour Colqui. Il est passé où Colqui d'ailleurs? Et c'est où qu'il se trouve? Sauver Colqui. Comment je joue là-bas moi? Comment je vais là-bas, Colqui? Comment je vais chez toi? Enfin, oui, j'ai rapide, j'ai pas envie de traverser tout le village. Est-ce que ça a un rapport avec ça ou pas? On devra peut-être se re-téléporter au final.
Donc il y avait ça, attends, j'ai dit The Souls, Nier, il y avait, bah toi tu proposes Kina, ou ouais, Kina donc, ou alors par exemple tout simplement comme j'avais une fois dit, des jeux où je peux avancer sur mes platines, enfin sur mon, faire des trophées et platines, pourquoi pas évidemment en live en même temps. Donc pas forcément des jeux compliqués, enfin compliqués, jouer dans la difficulté élevée, mais enfin voir si ça le demande ou pas, c'est au moins jouer dans une difficulté normale pour faire le jeu, ses trophées, et après si ça demande évidemment une de la difficulté, ben faire la difficulté, voir si on y arrivera, bien sûr aussi. C'est pas dit, aussi pas toujours. Ou partir sur. Puis ça peut être même une licence en proprement parler, genre les BioShock par exemple, ou partir sur des jeux pas forcément genre un Days Gone, enfin longs jeux, ouais, pas forcément faire des petits jeux, mais quand même des longs jeux quoi, qui peuvent nous prendre du temps. Va falloir que. Ah mais il est peut-être bien par ici quoi qui au final. Il n'est pas du tout ici. Oui. Colki là, il est où Colki madame? T'as pas vu Colki? Il a l'air d'être au-dessus de nous au final. Flûte. On aurait préféré qu'il soit avec nous. t'aimes lui, bah ouais, c'est bien ce que tu. Bah ouais, quand au début il y avait Nier et Dark Souls, effectivement tu penchais plus sur Nier. Vas-y, merci. Ouais, faudra voir. Je ferai une liste à un moment donné, il y aura du votage. Ça m'étonnerait que je dois repartir là-bas quand même. Enfin, je pense. Ah, quoi. Dans la grotte, vraiment? Ah ouais, sauf fouiller la caverne, effectivement. Ah mais la caverne là, c'était c'est ce que j'ai. T'es sérieux quoi? On vient de faire tout ça. Ouais, si. Ah mais il va y avoir du combat. Parce que c'est là que j'ai commencé le live. Hein. C'est ici que j'ai commencé le. Enfin, un chouïa plus loin. On s'était arrêté à une énigme. Au tombeau. Mais c'est pas du tout le tombeau là. Mais c'est pas du tout là que je vais, moi en fait. Attends. Et on se perd dans ton jeu là, dans tes directions. Pas du tout le bon truc. Non, c'est pas du tout la seule que je viens de faire. Enfin, quoi. Il ressemble pourtant. On va voir. Ça me permet, donnera l'occasion de mourir. C'était pour rigoler hein, quand je disais que ça me donnerait l'occasion de mourir. C'était pour de rire, hein, bien sûr. Ouais, et puis bah voilà, les jeux platine, je sais pas, voir une liste de plusieurs jeux, enfin, quelques jeux. Ou alors on fait d'abord, je mets liste platine et après on fait genre un deuxième sondage derrière pour choisir le jeu ou la licence. Comme ça, moi je fais d'une pierre deux coups. Après, c'est pas sûr que je galère, hein, j'en sais rien. Hein. J'en saurais rien. Surtout si c'est des jeux que j'ai pas. Que bah, en principe j'ai pas fait. Hein. Bah ouais, rip ma gueule. Bon attends, si il se trouve là-bas là, faut pas déconner. Il y a peu de temps là, hein, faut pas déconner. Hein. C'est plus rapide. Bah ouais, pour je me suicide pour une perte de temps sèche. Je me suis dit que ça serait peut-être un gain de temps au final.
Quelle erreur. Quelle erreur. Elle ne voulait pas, je vous le jure. Par contre, est-ce que le jeu va bien me dire... est-ce qu'il va bien comprendre que je suis assez avancé? Parce que ici, je suis rentré dans la, on va dire, la grotte. Il m'a dit, oui, on a pu voir un peu comme si la quête se mettait à jour. Est-ce que là, il va se mettre à jour ou pas? Mais puis, ça m'étonnerait que ça soit ici. C'était un tombeau facultatif. Pas du tout ici qu'il va être, le monsieur. Il doit y avoir autre chose dans cette grotte que j'ai pas vu, à mon avis. Ça doit être ça. Donc, perte de temps. Très grosse perte de temps, vu que ça serait plus simple au cas où que je reprenne un voyage rapide pour aller dans le feu de l'eau futur de la grotte. Où y a la caverne? Ah, ben il m'a directement TP ici, salopio là. Mais non, c'est derrière moi que je veux aller en finale. Ah, mais c'est ici. Mais non, c'est ici? Mais j'y suis jamais allé ici, moi, là. Mais c'est pas par ici que je... Ah non, c'était de là-haut que j'étais venu. Quand je suis arrivé de là-haut, moi, la semaine passée. Donc oui, je suis jamais allé ici, il me semble. Effectivement. Donc je suis mort parce que c'était effectivement pas la bonne route. Donc non, je l'ai pas fait le gros bâtiment. Oula, 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 elle sort ses armes. Il va y avoir de l'action. Kolki ! Kolki ! Il y a des gens. Kolki est venu pendant que vous libériez les autres. On savait pas qu'il était guerrier jaguar. Il m'a proposé de l'argent, je ne pouvais pas refuser. T'aurais dû, Poma. Ah, c'est Poma, le traître. Ah, et je suis déjà grillé. Mais elle a pas sorti son arme? Mais alors, elle veut pas tirer ou elle veut pas tirer? Mais elle veut pas tirer? Elle veut pas tirer! Elle veut pas tirer, hein? Je fais comment pour... J'ai pas le droit d'utiliser les autres armes. Et elle veut pas tirer. Mais elle a pas d'arme en main là, elle a pas d'arc. Allô, le jeu là, s'il te plaît. Regardez, elle a son arc en main mais elle a que dalle. Putain, mais quel enfer ma vie. Ouais, bah va falloir que je les tue comme ça. Ah, elle a récupéré son arc ou pas? Ah non, elle a pas récupéré son arc, toujours pas. Bon, bah, va falloir que je les tue en contre-attaque. Si c'est pas magnifique cette arnaque, quoi. Purée. Sincèrement. C'est ça la difficulté de ce jeu là? Ah ouais, c'est vrai que je l'ai piolé aussi. C'est vrai que je l'ai piolé. Ouais, après. Ah ouais, mais ils sont tellement trop nombreux là. Ouais, j'aimerais bien ne pas me faire sniper par deux mecs à la fois. Je vais mourir. Ah mais vas-y. Ah si, il est mort. Bah ouais, évidemment, je suis mort, j'étais blessé. Quelle arnaque, franchement. Il faut la compter, cette mort. C'est le jeu qui triche. Tu as fait un compteur de triche, Biajo, mais est-ce qu'on peut faire un compteur où, quand c'est le jeu qui triche? Franchement, je serais pas mort. Hein.
Bref. J'espère que l'arc est revenu. Attends, là, c'est sûr, inventaire. T'as bien un arc hein, sur toi là. Tu vois, t'as un arc dans ton dos là, je le vois d'ici. Ton arc Facebook là. Face de plouc là. Vas-y quoi, franchement, c'est dégueulasse. J'ai pu y réussir, on empêche. Enfin, si c'est parce qu'il a fallu, il fallait que je me soigne, hein, pour que je survive. Mais ça fait un peu beaucoup trop de soins utilisés pour ce combat. Hein. C'est surtout ça qui m'embête. Là, il aurait pu réussir. Hein. Donc quoi faire de ne plus jouer avec l'arc, là, qu'avec le piolet et les esquives. On savait pas qu'il était guerrier jaguar. Il m'a proposé de l'argent, je ne pouvais pas refuser. T'aurais dû, Poma. Je suis perdu là. Je suis perdu. T'es un traître ce Kolski. Enfin, je sais plus, je suis perdu, j'irai. Ouais, là. Mais par contre, elle veut après. Elle veut pas tirer. Non, là, elle. Ah, et là, on peut voir que j'ai enfin le marquage d'ennemis, hein, comme j'en parlais. Par contre, lui, il peut éviter, hein. Aussi, c'est chiant. Faut pas viser. Sérieux. Et tu le cibles, tu le marques? Comment je dois faire pour que tu le marques? Que du coup maintenant avec le marquage d'ennemis, on les voit, même quand on les voit pas, on sait enfin où ils sont. Compétence qu'on devrait avoir depuis le début du jeu, je trouve. T'arrives ou tu viens? J'ai perdu. Il arrive. On coûtera moins de flèches. Allez, viens. Il s'est arrêté, solo. Il s'est arrêté. Hey mec, je suis là. Hein. Putain, dans le cul. Là. Ah, il y en a un autre derrière. Je crois que je l'ai pas vu. Oui. Après les ennemis qui reviennent. Ah, c'est vrai qu'on peut aussi créer des pièges maintenant. Pour les cadavres. Ta tête exactement là où je tire, merci monsieur. Comment ça une pilleuse? Ouais ouais mais bon on peut pas le dire. Oh. Ils savent quoi éviter mes attaques au piolet. Hein. Je peux pas te tuer au piolet, je suis obligé de plutôt de. Vraiment, c'est des contre-esquives. Hein. Des attaques contre-attaques. Enfin, des esquives contre-attaques plutôt. Oh oh, d'où? Si c'est lui qui m'a touché. Non, il y en a un autre. Comment ça on avait dit pas le genou, jamais de la vie. On avait dit du 1 contre 1, là les mecs ils m'attaquent à plusieurs, bien fait pour leur gueule.
puis je préfère me prendre une flèche dans le genou qu'ailleurs, hein. Enfin, qu'à d'autres endroits. Il n'y aurait pas les endroits. Mais tout bon, tout endroit n'est pas bon à se faire tirer dessus. Et du coup, c'était quoi? J'ai rien compris à la mission. Hein. C'était qui le traître? C'était qui pas le traître? Tout ça. Je m'as perdu. La mission, elle était finie. Oui, elle a été terminée. On peut résoudre le meurtre de Somak. Continue sur cette quête. Et du coup, un dragon, évidemment, bien sûr. Après, c'est de leur faute, hein. C'est parce que le jeu il a triché juste avant. Ma dernière mort, elle aurait pas dû compter. Lara avait un arc, mettait ses bras comme si elle avait un arc, alors qu'elle avait pas d'arme du tout. Sympathique pour moi. Mais je me suis soigné donc. Mais comment ça? Ah mais non, ça c'est de la concentration. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire pour résoudre ce meurtre? Je vais retourner là-bas. De toute façon. On avait trouvé un truc par hasard hier, enfin hier, la dernière fois. J'ai pas assez de place pour ça. Quelle tragédie. Il faut que je voie Choco. Pourquoi? Ouais, je pouvais pas rentrer avant, qu'est-ce je crois. Qu'est-ce qui s'est passé? À notre arrivée, Choco, la maîtresse de maison, se disputait avec Taruka, le serviteur. Somak était entre eux. Taruka était couvert de sang. Choco a assisté au meurtre? Non. Elle a trouvé Taruka au-dessus de Somak en rentrant du marché. Est-ce que Taruka a avoué? Non, il dit qu'il est innocent. Mais vous êtes là, prêtresse. Personne ne peut mentir sous le regard des dieux. Mais personne ne peut mentir sous le regard de la science. Il est avec le... Quand il aura avoué. Et si c'est pas lui? Hein? Oh, prêtresse, je vous en supplie. Je jure que je n'ai pas tué mon maître. Du calme, Taruka. Racontez-moi tout. Quand je suis rentré des champs, j'ai entendu un bruit, comme une porte qui claquait. Et j'ai trouvé Somak couvert de sang. On l'avait poignardé. J'ai tenté de faire quelque chose, mais c'était déjà trop tard. D'où tout ce sang sur vos mains? Prêtresse, vous devez me croire. Je reviendrai si jamais j'ai d'autres questions. Bonjour, Choco? Oui, prêtresse. Je sais que c'est difficile, mais il faut que vous me racontiez ce qui s'est passé. J'étais au marché avec... mon pauvre Somak. Prenez votre temps. Commencez au début. Vous étiez au marché? Oui, avec Akna. Je voulais préparer du bok chouk. C'était le plat préféré de Somak. Akna? L'une de mes servantes. Qu'est-ce que vous avez vu en rentrant? Taruka était dans la cuisine. Au-dessus de Somak, ses mains couvertes du sang de mon mari. J'ai crié et les gardes sont arrivés. Est-ce qu'il avait une arme? Non. Est-ce que quelque chose a claqué à votre arrivée? Non, bien sûr que non. Que faisait Akna? Comment ça, Akna? Elle était avec moi. On revenait du marché toutes les deux. Elle est où maintenant? Elle se repose dans sa chambre. Le choc a été violent. Je vais aller lui parler. Mais... oui... bien sûr. Comme vous voudrez, prêtresse. Voilà, je préfère ça, hein. Oh, Choco. On dirait qu'on a déplacé le corps. Ah ben bravo. Ils ont tout cassé. Prêtresse. Racontez-moi, Pakal. On a poignardé Somak dans le cou plusieurs fois avec une arme pointue et tranchante. Comme une flèche ou un couteau? Peut-être, mais l'arme a disparu. On a fouillé toute la pièce. Alors c'est que l'assassin l'a... On a fouillé toute la vous pièce. L'arme disparue du coup. Que les dieux vous montrent ce que mes yeux n'auront pas su voir.
Bah, je sais pas, à la limite, tu vas dehors, tu trouveras peut-être des choses. Genre ici. Il y a des traces de sang par terre. T'as vu ça ou t'avais pas vu? Ça ne sera jamais. Il le faut. Je l'ai promis. Bonjour, Akna. Oh, prêtresse. Pardonnez-moi, j'ai cru que vous étiez madame. Je voudrais vous parler et vous poser quelques questions. Je ne sais rien du tout. Je ne sais jamais rien du tout. Ouais, elle sait elle tout. S'ouvre, cette porte? La porte? Non, elle est cassée. Ça fait des années qu'elle est cassée. Et comment t'es rentrée? Je vais trouver un moyen de faire le tour. Ouais, on nous cache des choses, hein. On veut nous cacher des choses. Vous ne trouvez pas ça étrange que la porte ne s'ouvre pas, justement? Moi, je trouve ça très étrange. Ah ouais, ça c'est pour ça. Prêtresse, bonjour. C'est bien vrai? On a tué Sumac? Oui, et je cherche Akna. J'ai des questions à lui poser. On va trouver. On va juste faire le la tour. La domestique? Ne perdez pas votre temps avec elle. Elle ne sait rien du tout. C'est à peine si elle voit ce qui se passe sous le bout de son nez la plupart du temps. C'est-à-dire? Je suis désolée, prêtresse. Je n'aurais pas dû dire ça. Mais maintenant tu l'as dit, tu si continues. Si vous avez quelque chose, dites-le. Disons juste que Choco et Sumac n'avaient pas un mariage très passionnel. Choco n'avait Dieu que pour Ical. Oh oh! Ical? L'associé de Sumac? Ils étaient amis? Même plus que ça, si vous voulez mon avis. Merci pour l'information. C'était un plaisir, prêtresse. Retournez voir le garde. Ouais, non, mais attends, non, je vais voir Akna, là. Même si elle sait rien, on va la voir. Oh, elle sait des choses. Elle cache des choses, ça se voit. Regardez là, t'as vu là, madame, je t'ai trouvé, hein. Encore du sang. Quelqu'un a voulu le nettoyer. C'est ici qu'on a tué Sumac. Et la porte qui claque, du coup, ça serait celle-là, là, celle qui est cassée, qui s'ouvre jamais. Ah ah, qu'est-ce qu'on a trouvé? Peu approprié au sol local. Du texte, rien du tout. Les techniques maya de culture surbrûlée ne tardèrent pas à mener à la pénurie. Face au risque de famine, ils conclurent des accords avec les premières tribus Inca, desquelles ils apprirent de nouvelles technologies et obtinrent de nouvelles plantes à cultiver. Les marchands arrivèrent avec de nouvelles denrées et les paysans des cultivars inconnus. Au fil du temps, les étrangers qui arrivèrent à Paititi finirent par prendre le contrôle administratif de la ville. C'est pas ce que je cherchais, moi. Je suis sûr qu'il y a le couteau, l'arme du crime, quelque part. Ah, voilà. L'arme du crime. Ce couteau, c'est sûrement l'arme du crime. Reposez-vous, hey, hey. Vite. Madame a dit que si quelqu'un le voyait, elle aurait des ennuis. Eh ben, elle va avoir des ennuis, madame. Je vous en prie, prêtresse, ne me forcez pas. Si quelque chose arrive à madame... Vous devez tout me raconter. Tu vas aller en zonzon. Madame n'est pas venue au marché avec moi. Quand je suis revenue dans ma chambre, la porte était cassée. Il y avait du sang partout. Madame m'a demandé de cacher le couteau pendant qu'elle appelait les gardes. Je suis désolée. Merci de votre honnêteté, Akna. Honnêteté forcée, hein. Pardonnez-moi, prêtresse. Oh, je vous en prie. On va te t'immoler vivante. Non, tu vas t'immoler vivante. Il n'y a pas de pitié, là, pour les menteurs. Des bisous. J'ai utilisé beaucoup trop de flèches là sur le combat. La porte elle s'ouvre maintenant, comme de par hasard elle s'ouvre. Alors je sais qui est coupable. Oui, prêtresse. Est-ce que quelqu'un a vu Choco au marché au moment du meurtre de Sumac? Elle était avec Akna, sa servante. Pourquoi? Taruka a entendu une porte claquer en arrivant. C'est comme ça qu'il a découvert le corps. Et Choco est entré juste après. C'est bien ça. Alors où se trouve l'arme du crime? On a fouillé partout. Elle n'est pas dans la maison. Okay. Quelque chose nous échappe. Mais non, j'ai juste pas parlé au. Pour voir ce qu'elle sait. J'ai juste pas parlé à la bonne personne. Je vais reparler à l'autre, je suppose. Ça fait peu de sang pour un coup de couteau. Bon, c'est à toi que je reparle, peut-être. Je sais qui. J'ai tout utilisé. Taruka est innocent.
C'est sa femme, Shoko, et son associé, Ikal, qui ont tué Sumac. Ils étaient amants. Ikal, il y est peut-être pour rien. Hein. Et une note de Sumac qui mettait un terme à son partenariat avec Ikal. Il aurait été ruiné. Ouais. Ils auraient tout perdu, tous les deux. Ouais, peut-être. Arrêtez là. Non. Vas-y, donne-lui un coup de batte, là. Boum. Shoko n'était pas au marché. Elle était restée seule avec Ikal, ce qui arrivait souvent. Et Sumac les a trouvés. Dans l'agitation, Sumac a été tué de plusieurs coups de couteau dans la nuque. Non, Sumac est tombé dans le passage. Ikal a traîné son corps pour que Taruka le trouve facilement. Vous mentez. Ensuite, Shoko a claqué la porte pour attirer l'attention de Taruka. Et en quittant les quartiers de la domestique avec Ikal, elle a donné le couteau à Akna en lui disant de le cacher. Puis elle a été voir Taruka pour l'accuser du meurtre. Ils voulaient garder l'argent, le pouvoir et l'influence de Sumac pour eux et enfin vivre leur amour. Ah ! C'était Ikal ! Silence ! Vous serez punis tous les deux. Le français était au marché. Allez libérer Taruka. Merci pour votre aide. Mais il est juste derrière toi, Taruka. Je tiens à vous remercier en vous offrant ceci. Mais tu sais pas le faire toi-même ? Mais quel glandu ! Taruka, vous pouvez partir. Merci, prêtresse. Mais quel gland ! Oui, parfois. J'avais compris tout ça, moi. Ah tiens, mais je te pousse, hein, justice, mais je te pousse, faut pas déconner. Le monolithe, on n'avait pas le niveau ou... Je sais plus, on n'avait pas le niveau, peut-être qu'on l'avait découvert. Maintenant on l'a peut-être. Ouais, je ne sais plus. Mononolithe. Quoi ? C'est lui ou c'est l'autre ? L'autre. Non, non. On n'avait clairement pas le niveau pour l'autre. Là, on a le niveau. Quelque chose de proche. Cet oiseau doré perché, ici et là. L'un a emporté son trésor vers les arbres. Relâché par ses serres, je n'attends que toi. Il me semble que c'est plus ou moins... Ouais, peut-être pas, non. Cet oiseau doré, blabliblablou... Ah bah ça devrait m'être utile. C'est ça ? Secret d'une monolithe, oui, c'est trouvé. Bon bah... Je sais pas pourquoi c'était ça le machin... Ah, le coffre, voilà, le coffre, là, on va y retourner. Ah ouais, ça sert à rien que je mette... Je sais pas... L'instinct de survie. Et comme ça, après, je pourrais peut-être... vu que ça va être fin, un live un peu plus court. Encore une heure, malheureusement. Je bosse. Donc, la prochaine fois, par contre, faudrait que je repars faire un peu de l'histoire principale. Vraiment, j'ai plein de trucs à faire. Enfin, j'en sais rien. J'ai des trucs à faire, en tout cas, ça c'est sûr. On va ici aller, ça fait un peu longtemps qu'on n'a plus été à Kouakekou. Cette chignole bariolée a été décorée pour la cérémonie du feu nouveau, le nouvel an aztèque. Il consiste en 5 jours de jeûne, de saignée et de sacrifice. La chignole se place sur le thorax des nouveaux sacrifiés et les étincelles produites allument un grand feu de joie qui nourrira les flammes de tous les temples alentours. Ouais, mais c'est pas ma faute si Biagio n'en lance pas, et puis heureusement elle n'en lance pas vu que je suis pas là, de toute façon. Puis je travaille, hein, faut dire ça à mon patron. Hein.
Celle-ci ne semble pourtant pas avoir été utilisée. Il n'y a pas de sang sur le filetage. Faut dire à mon patron de me payer double et de me faire travailler deux fois moins. Ce genre de choses. Sinon, ça va pas être possible, hein. Et il y a encore une fresque là-bas que j'ai pas vue. Et comment j'ai fait pour jamais la voir, la fresque? Je suis aveugle. Je sais que je suis aveugle, mais quand même pas à ce point-là. Ouais, ça m'étonne pas toujours, mon aveuglicisme. Et ouais, ça, je l'ai jamais vu. Le feu de camp est là. Le tissu. Le feu de camp. Ah, mais c'est peut-être par ici. Peut-être pour ça que je l'ai jamais vu, effectivement. Je suis jamais venu ici. Enfin, quoique. Non, c'est pas ici. Mais je suis peut-être jamais bienvenu, hein. Ça, cette fresque, c'est celle-là. C'est celle-là. Mais quelle idée de mettre des fresques dans la flotte. J'ai les pieds qui sont mouillés maintenant. On n'y voit pas grand-chose. Des gens entre deux fleuves. Ils n'étaient pas seuls. Pourtant, ces étrangers ont l'air plutôt inoffensifs. Et oui, on travaille aussi, voilà, tout simplement. Hein, Miyajo et moi, de temps en temps, on travaille malheureusement. On aimerait bien ne pas travailler, je pense. Mais c'est ainsi qu'est fait la vie. Le jeu, la vie nous dit travail. Bah ouais, pas travail. Hein. Si vous voulez qu'on vous fasse des lives, malheureusement, on doit travailler. Hein. Bah ouais, c'est ça. Et je travaille. Je suis pas là. Je suis pas chez moi cet après-midi jusqu'à ma fin de journée classique. Tout est plein. Attends, je peux plus rien prendre. C'est un chouïa plus bas. Et on va plutôt aller. Redescendre. Aïe. Là. Là, il y a même un sac à côté. Magnifique. 30 novembre 1603. Accompagné d'un indigène pour guide, Lopez, les soldats et moi-même avons quitté la cité avant l'aube. Bien nous en a pris. Car une terrible épidémie de grippe semble avoir commencé à se propager. Lopez est convaincu que l'artefact ne se trouve pas dans la cité elle-même, mais quelque part dans les alentours. Je lui ai demandé s'il n'était pas quelque peu hypocrite de se faire aider par ces gens méprisables. « Si tu les méprises, m'a-t-il répondu, tu dois également mépriser ces molosses. Ils sont tous la création de notre Seigneur, tout comme nous. » Je lui ai dit que j'étais surpris de l'entendre prononcer ce genre de paroles, mais il a pris mes mains dans les siennes et nous avons prié. La ferveur de sa foi a coulé entre nous, jusqu'à ce que je sente les chaînes du doute se briser dans mon cœur. Mais oui, c'est une excuse, mais malheureusement, tu crois que c'est peut-être pas une bonne excuse, mais c'est une excuse. Je suis obligé d'aller travailler, hein. Enfin obligé. Je vais y travailler si je veux un peu vivre. Ce genre de choses. Il y a un truc là-bas. J'aimerais bien jouer pourquoi pas faire tous mes jeux en live là. Enfin peut-être pas tous non plus, faut pas déconner. Tous ne sont pas soit le. Enfin, ne sont pas à faire en live ou n'ont pas d'intérêt à être fait en live. Mais c'est pas toujours possible, hein. Thank you.
on ira rechercher là-bas quand on repartira par ici. Je vais aller à Kuwakiaku. Il y a des choses à faire là-bas. Le début d'un tombeau d'un tombeau DLC en plus de ça. Certainement la forge. Donc j'ai toujours pas commencé celui-là en principe. Tourner quoi. Ah ouais, il y avait ici sur la route aussi. J'avais peut-être pas ce qu'il fallait. Quoi qu'il y a coup, on va prendre quel feu, on va prendre ce feu là. Après, si tu veux, hein, Drago, tu viens et tu bosses à ma place, hein. Si tu veux que je m'arrête pas. Je suis sûr que ça va gêner personne au boulot, ils verront pas la différence peut-être. Ça va aller, tu verras. T'as pas les logiciels pour, sinon tu l'aillerais, tu sais, mais là je parlais de travailler, hein, pas de faire des lives, mais bon après t'as pas forcément besoin de logiciel hein, pour faire des lives. T'as un PC, enfin non, t'as même pas besoin forcément de PC, hein. T'as une console, tu peux en faire directement par console, mais effectivement, après si tu joues sur PC, oui, il faudrait effectivement 2-3 autres trucs. Et du coup, vu qu'on est à Kuwakiaku et qu'on n'est pas à Paititi, non pas vieux, rapide, excusez-moi. On peut reprendre. La dernière. La superbe tenue. Il vous avait manqué, j'en suis sûr. Il y a quelque part l'entrée, elle est là. Attends. Je remonte d'abord. On est d'accord que c'est... je l'ai pas fait ça. Hein. Ouais, c'était un coffre à cadenas. Attends. T'as pas ta compte, ta PS4 à Nancy, ah ben bravo. je continue. Non, j'ai pas commencé Witcher, je sais même pas. De toute façon, jeu PC, comme je dis, enfin, j'ai déjà dit, j'avais un peu du mal les dernières fois, donc je sais pas. Après, ça se trouve, Witcher ça passe, hein. Je sais pas si ça passerait ou pas. Mais je l'ai pas lancé pour le faire à ta place, hein. Je l'ai lancé pour faire aussi le jeu. J'avais quand même envie, je l'ai, j'avais quand même envie de bien de le faire aussi, hein. Ah, tu sais pas jouer au clavier, donc t'es bien sur console. Voilà, c'est une excuse. Moi, joue bien au clavier, même si ça me fait mal au bras. T'as que la Switch, ben, tu peux jouer à la Switch, hein. Donc, tu peux faire des lives sur la Switch, hein. C'est une console qu'on peut. J'ai déjà vu en live, tu sais, plusieurs fois, donc les moyens. Hein. C'est une excuse en effet que tu nous sors, là. Non, c'est pas par ici, c'est l'autre côté, je crois. C'est quoi ici? Prends une grande inspiration et trouve-moi sous le nez d'un autre. Donc il y a un visage ici aussi. Ah ouais ouais. Ah il y a peut-être... je voulais voir plus pour la plante, mais c'est pas grave. Là, il y a quelque chose, j'ai vu. Ah non, oui. Non, c'est plus là. Voilà.
On a résolu le monolithe. Mental surface. On l'avait fait le. On a pas. Oh, la crypte, on l'a fait ou on l'a pas fait? Elle est où l'autre crypte? Tu peux me dire où elle est l'autre crypte pour voir si on l'a fait? Ça serait sympathique. Ah bah ça doit être qu'on l'a fait. Donc c'est non, non, apparemment on l'a pas fait. Super. On avait peut-être pas ce qu'il fallait. Est-ce qu'on a toujours. Est-ce qu'on a déjà ce qu'il faut? Ça doit rien faire la flèche. Elle déconne, c'est une flèche. Des trucs explosifs. Encore les trucs explosifs. C'est pas aux pompes, ça sert à rien ça pour le pompe. Mais j'ai pas l'impression d'avoir une compétence particulière pour les munitions explosives. C'est ça qui m'embête. Et on a surtout l'ascendeur à cordes, enfin! Ah bah pour récupérer ça. Ah, OBS, t'as besoin que d'OBS, hein, t'as pas besoin de grand chose hein, pour faire des lives sur PC. Enfin, avec le PC. OBS, ta console. Tout est plein, je peux plus rien prendre. Caméra, micro, bah, caméra, micro, quand même. Enfin, c'est quand même mieux. Enfin, le micro, ouais, c'est quand même mieux. Il y en a qui font sans, mais c'est toujours un peu mieux, je pense. Attends, on est d'accord qu'il n'y avait rien pour les grenades. Ah ouais, non, c'est un objet que je vais acheter, le lance-grenade, je crois. Je vais encore l'acheter à un magasin. Et c'était où? Ah, c'est la mission de Santa truc. Santa Maria. Oh, j'ai l'argent en fait. Je voulais économiser, mais. Je vais devoir tout dépenser au final. Hein. Je vais devoir dépenser tout mon flouze. Un document. Il y a un chouïa plus par là. Raconte l'histoire de grottes de la région qu'on dit hantées. Des bruits étranges y surgissent des entrailles de la terre. Aucun de ceux qui y ont pénétré n'en est jamais revenu. Des bruits mystérieux, à mi-chemin entre le grondement du tonnerre et une meute de chiens hurlant à la mort. Et une mystérieuse lumière qui en émane. Après, faut voir si le PC est quand même aussi assez puissant, hein, bien sûr. D'accord, tu revendais plus trop rien d'intéressant, monsieur. Bonne journée. Je peux sans doute vous aider. Dépend. Arme, tenue, et après c'est des munitions ou des compos. C'était un plaisir de faire affaire. Donc j'en ai pas besoin. Là, apparemment, il y a une fresque que j'ai pas vue. Ça, pierre sur pierre, je vois pas. Entre la vie et la mort, de la pleine lune à la nouvelle, ce temple est le gardien de la boîte d'argent. Scénario terminé. Oh, ça c'est bien. Ça fait plaisir. Pourquoi tu n'as pas pris ta PS4 avec toi, Nancy? C'est ça la vraie question.
Alors, c'est Cookie la quête. Vous êtes devant. Ah, bah, je peux passer. J'ai rien dit. Ici. Ici, ça doit être deux. Ah, c'est elle. C'est elle, c'est la vieille. Ah, ça va concerner Abby. Ça va concerner Abby. J'adore les vieilles cartes. Quand j'étais petite, elles menaient toujours à un trésor. Moi, elles me perdent encore un peu plus. Au fait, moi, c'est Lara. Pilar, vous ne ressemblez pas aux touristes qu'on voit habituellement. À vrai dire, je suis archéologue. Ah oui, ça a tout de suite plus de sens. Vous devriez aller parler à Abigail. Elle connaît l'histoire de cet endroit mieux que tout le monde, ou presque. On s'est déjà rencontrés. Abby a la gentillesse de nous héberger, mon ami et moi, pendant notre visite. Alors, tu es plus que la bienvenue, Aku Akiaku. On parlait de ta carte, là. Merci. Tu as besoin d'aide pour comprendre la carte ? Ce n'était pas à moi de la comprendre. J'ai caché la vérité, comme Abigail s'en rendra compte. Mais pour la découvrir, elle va devoir remonter dans le temps. Mariana n'a jamais eu l'âme d'un poète. Mariana ? La grand-mère d'Abigail. Elle est morte d'un cancer. Il y a un an aujourd'hui, d'ailleurs. Je suis vraiment désolée. Mariana voulait qu'Abigail reçoive cette carte le jour de l'anniversaire de sa mort, mais... Vous n'êtes pas sûre. Je ne suis pas sûre qu'elle soit prête. Ça ne me regarde pas, mais si ça peut aider, Mariana pensait que oui. C'est vrai. Ce n'est pas vraiment à moi d'en décider, n'est-ce pas ? Pas vraiment. Vous pourriez donner cette carte à Abigail ? Mais bien sûr. On pourrait passer nos journées à courir après cette fille. Et mes hanches ne tiendront pas la cadence. Pas du tout. Tu devais faire des allers-retours réguliers à Chartres pour vider l'appart, mais trop cher de le faire. Tu y es allé qu'une fois en urgence. En un an, bientôt. Ah oui, effectivement. Et, mais la console, quoi. Abby, la console. Salut, toi. Comment tu t'en sors ? Et Jonah ? Jonah va bien, il est avec quelqu'un. Ah bon ? Quelqu'un, vraiment ? On peut savoir son nom ? Il s'appelle Ushu. Elle est jalouse. Écoute, Abby, je suis de retour à Kuakiaku et je suis tombée sur une vieille carte qui appartenait à ta grand-mère. Il y a cet ancien au village, Diego. Il s'occupe du jardin public. C'est Diego, je vais le voir. Je crois qu'il s'y connaît bien en carte. Il peut peut-être y jeter un coup d'œil. On se retrouve là-bas ? Ok, j'arrive. Ah ouais. J'étais en train d'aller, voir Abby au bar, mais bon, si elle me demande d'aller au jardin public, il me semble que c'est par là. Genre quelque part... ici, non ? Pas ici, le jardin public, hein ? Ah si, c'est là. C'est juste que je l'ai pas vu, à la limite. C'est peut-être lui, Diego, ouais, ça doit être lui. Aider. Je suis une amie d'Abby. Elle m'a demandé de la retrouver ici. On aimerait que vous jetiez un coup d'œil à une carte. Ah, voyons voir ça. C'est un bel ouvrage, très soigné. Ravi de voir qu'elle ait tenu bon toutes ces années. Vous la connaissez ? Je me fais peut-être plus tout jeune, mais j'oublie jamais mon travail. La grand-mère d'Abby m'a demandé de la dessiner. Si je me souviens bien... C'était censé être un cadeau pour Abby. Il y a des taches ici. Vous les voyez ? J'en compte trois. Mais c'est pas moi qui ai fait ça. Ça sent le citron, vous trouvez pas ? Le citron ? Le jus de citron peut servir d'encre pour... Il y a peut-être un message écrit à l'encre invisible sur la carte. Je peux utiliser votre brasero ? Oui, faites comme chez vous. Alors, comment ça marche ?
Le jus de citron est organique. Il va s'oxyder et roussir au contact de la chaleur, et le message secret apparaîtra. Mais utilisez le bras zéro alors. Vous pensez que ça va marcher? On va le savoir très vite. Ça sent encore le citron. Pourquoi ça ne fonctionnerait plus, hein? Allons, Diego. Je suis un gentil chiot. Ça n'a pas toujours été le cas. Abby, Diego dit que ta grand-mère lui a demandé de dessiner cette carte pour te l'offrir. Pourquoi j'aurais besoin d'une carte du village? Je connais cet endroit par cœur. C'est pas tout. Ta grand-mère a caché quelque chose ici, sur le papier. On le voit à peine. Je pense que c'est un message secret. À l'encre sympathique. Il connaît le terme, par de contre. De l'encre sympathique. Non, sincèrement, il connaît le terme. Enfin, c'est juste du citron, mais... Mais ça a le même effet. Alors, c'est quoi ce secret? Je ne sais pas. Je peux? Regardons ça. Ah bah quand même, on va utiliser le bras zéro, enfin, quoique. Ouais, faites au moins semblant d'utiliser le bras zéro. Ah non, ça brûle! Ça brûle! Regarde, ces symboles, c'est... Trois croix? Il faut suivre les croix. Sympa, grand-mère. Est-ce qu'elle mène loin d'ici? Non. On se sépare? D'accord. Je m'occupe de ces deux-là. Vas-y, c'est le cadeau d'Abby et c'est moi qui m'occupe de deux croix sur les trois déjà. C'est quoi ce truc? Merci. C'est pas un nez qu'il a, le mec? Oh. Et c'est un homme, après, ça m'a pas trop gêné. Écho du passé, c'est où? C'est où exactement? Ça va, c'est pas si loin que ça. Je sais par là où je dois aller. C'est peut-être deux endroits, mais ça a l'air d'être plus proche. Ah, ça a l'air. Ça avait l'air, j'ai rien dit. C'est loin. Tout est plein. Je peux alors, un truc ici, peut-être. Quand je chouille plus loin. Genre ici. Là, ici. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, on a atteint les 500 heures de stream sur la chaîne. Incroyable. Plus de 500 heures en live. Pouf, quelle idée. Non, on ne passe pas par là. On va casser ça par contre. Ah voilà, je vois la lumière qui me parle. Et ils ne le savaient évidemment pas qu'il y avait ça juste en dessous d'eux, de par hasard. Regardez, ça commence bien, on fait à peine 3 mètres, il y a déjà de la lave. Regardez, là, vous sentez la bonne ambiance? Vous sentez que j'ai pas été au feu depuis... Depuis je sais pas quand. Tout est plein. Enfin, je peux plus rien non plus, il y a pas si longtemps que ça, mais j'ai récupéré 2-3 bricoles depuis le dernier feu, à mon avis. Ça va être pénible. Ah, regardez-moi là, toute cette lave, magnifique, on adore. Il faut...
Tout est plein. Mais genre, je peux pas récupérer plus d'or que ça? Et j'ai un max dans l'or aussi? Oh mais quelle arnaque. Oh mon blé, il s'en va. Il fallait que je revende quand j'étais parlé au vendeur, je suis pas allé lui vendre des choses. J'ai regardé que pour acheter, pas pour vendre. C'est l'erreur. C'est ma faute. Je pensais pas que j'en avais déjà, que j'avais autant. Non, non, il faut que je tourne. Je pensais pas que j'avais autant d'argent sur moi. Attendez. On va bien voir. Non, non, après je vais là, je descends, ça va. Et je me balance. Oh, niveau 101. La première personne à avoir ce niveau. À être dans le niveau 100. Ça me semblait con comme truc. Ça passe. Ah, par contre, ça c'est con. Ouch. Ouch, ouch, ouch. La chute a été dure, a été fatale. Ah mais il a foutu une petite sauvegarde ici, si j'étais pas, vu qu'il l'a pas dit. Il me l'a pas demandé. Enfin il me l'a pas dit surtout. Ça va. Ça va. Bon par contre j'ai toujours max niveau thune. Ah mais peut-être parce que vous êtes en retard par rapport à moi, faudrait actualiser du coup. Bah actualiser après la mort peut-être pour pas la louper. Après je sais, ouais t'as un décalage mais je sais pas de combien de secondes tu le sauras plus ou moins. La mort elle est là, elle a eu lieu. T'es pas mort très loin. Ouais ouais bah. Petit décalage hein, souvent habituel. Il suffit qu'il y ait eu par moment un petit peu de perte, on va dire, de connexion pour que tu aies peut-être eu un petit buffering et que chez moi, bah, évidemment, ça a continué et que chez toi, il a fallu que ça attende un peu. Donc, au final, bah, tu perds du temps comme ça alors que chez moi, bah, ça continue. Ça dépend, des fois je suis assez réactif aussi sur le fait d'appuyer, enfin d'ajouter ma mort, et des fois je mets un peu plus de temps. C'est vrai que des fois que j'attends pour pas trop spoil au cas où, ou si vous avez du retard. Il faudrait que je fasse aussi lui rapidement en fait. Je n'avais pas fait. Voilà, faut que je monte là plutôt. Ah non, ah ouais, j'avais foiré. J'ai pas besoin de descendre, c'est au cas où je me foire. Voilà. Alors, hop. C'est bon.
C'était tout. Enfin, c'est tout. Oui, c'est pas encore non plus le vrai truc, hein. Et c'est le prémisse, pour le moment. Viens, récupère. On peut voir ce qui ressemble à trois créneaux sur un côté. Sans doute taillés à la main. Notre bord est brisé grossièrement, comme si on l'avait éclaté. Ça fait clairement partie de quelque chose de plus gros. Ah oui. Oh, il y avait trois croix, donc il y a trois pièces. Oh, par contre, ça c'est moche. Mais... Je me suis rattrapé, j'ai voulu grimper où je sais pas, elle a rien fait, et je me suis dit que c'était normal. Mais apparemment non. J'adore ce genre de plan. C'est toujours plaisir. Mais ouais, là, dégueulasse cette mort. Pas scripté évidemment, mais enfin si, il y a du scriptage derrière, mais je sais pas, je pensais que c'était normal que je retombe. J'aurais pu me rattraper sur la deuxième, on va dire, poutre en pierre, puis à la limite retomber et arriver au niveau du sol. Mais ça n'a pas voulu, il fallait peut-être que je lance mon grappin, je sais pas. Eh oh, Drago, là, qu'est-ce que tu demandes à Biage de payer ? Enfin, elle fait ce qu'elle veut de son argent. Hop. Oh purée. Heureusement que j'ai lancé le repas. Après. Ou alors est-ce que c'est la tenue Crofit qui me tue? Non, les deux. C'est le début de semaine. C'est le début de semaine, j'ai l'impression que je suis moins performant. La semaine passée, lundi et mardi, ça avait pas été ça. Hein. Lundi surtout, ça avait pas été ça. Hop. Je le fais, ça passe pas, et maintenant que je tire celui du bas, ça passe. Tu te fous de ma gueule. Bon, alors la bonne blague, ça c'est cool. Est-ce que de ce côté-ci? Non, je suis obligé d'aller de ce côté-là. Obligé. Bon, ça se passe comment ici, là? La mauvaise surprise. La mauvaise blague là. Mais non, mais ça. Ouais, c'est bien ce qu'il fallait faire, je me suis foiré. Il fallait que je lance mon grappin que j'ai pas fait. Alors. Par contre, c'est la musique bagarre. Ah, musique bagarre, effectivement. Mais il y en a un autre, genre il apparaît au dernier moment lui. Ah, meurs là, embroché dans ça. Mais
Il y en a deux, puis t'en tues un, il y en a un autre qui arrive, t'en tues un, il y en a... Mais je... Mais ils savent pas attendre. Non, lui, par contre, s'il y en a un que je tue, c'est lui. Hein. Les deux. Oh, mais je tire à côté encore. Lui, c'est... Il y en a plus, on est d'accord. Mais il y en a encore un... Mais il y en a encore trois. Mais genre... C'est bon, là, à un moment donné. C'est quoi toute cette meute de renards? C'est bon là? J'ai même tout le cuir que je voulais. C'est sérieux? Bah parce que le point, faut pas le garder pour plus tard. Je suis sûr qu'il meurt pas d'une balle. Et jamais personne ne meurt d'une balle. D'un fusil de pompe à bout portant, bien sûr, hein, précisons. Ce n'est qu'un fusil à pompe, après tout. C'est pas mal. Par où on remonte? Aucune idée. Par où on va remonter? Je dirais bien d'un... Ah non, c'est pas par ici. Ça, c'est à eux. Ah, la lave, c'est non. Hein. Ah, ici. Regardez le fusil à pompe pour ce qui est un peu plus humanoïde. Peut-être pour la fin. Et je trouve qu'il n'y a pas tant de munitions de pompe que ça au final. Non, impossible. Autant j'avais toutes les munitions de mon fusil, autant le fusil à pompe, je peux encore porter plus de munitions. Hein. Donc il n'est pas à fond. Donc c'est pour ça que je le garde. Ça c'est un piège, je l'avais bien vu. J'avais bien senti. Comment tu t'en sors? Je sais toujours pas ce que c'est, mais j'y suis presque. Et toi? Cherche un fragment de pierre avec trois créneaux d'un côté. C'est ce que j'ai ici. Je parie qu'on va en trouver deux autres. C'est toi l'expert. Par contre, elle, évidemment, elle va tomber sur un tombeau, enfin sur un truc assez simple. Encore en l'état, tous les coups. Moi, je suis mort. Je descends. Non, je passe. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Le démon des flammes de Dark Souls pop. Ah non, 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 non. Il peut pas pop, hein, le démon des flammes. C'est pas le bon jeu, hein, c'est pas la bonne licence. Pas d'accord. C'est non. Bon. Vendre. Oui, oui, ça aurait fait un joli clin d'œil. On aurait pu avoir comme autre clin d'œil un pouce levé, une main avec un pouce levé aussi hein, dans la lave. Ça aurait fait un autre beau clin d'œil. Pas Dark Souls, on se le fait comprendre. Un film d'ailleurs. Saurez-vous reconnaître le film? Petit jeu, petit quiz, tu ne reconnais pas celui-là. Ah, tu ne reconnais pas Terminator, c'est dommage. Ça doit être Terminator 2 ou le 3, je dirais peut-être. Voilà, pas le premier, en tout cas il me semble pas. Parce que normalement c'est la main d'Arnold qui est dans la lave. Pour ce feu.
T'as regardé à l'époque, pas depuis. Ben c'est, ben voilà, c'est une erreur. C'est une erreur de débutant. Et si tu, et tu crois qu'il n'a vu que le premier. Il me semble que c'est pas dans le premier en plus de ça. Enfin, si c'est bien Arnold Schwarzenegger qui fait ça, c'est pas dans le premier vu qu'il est méchant dans le premier. Alerte info. Ça va? Regardez ce que je propose. Que dans le 2, il est gentil vu que c'est devenu un Terminator anti-Terminator. C'est un marché convenable. Ouais, j'ai bête une asse. À bientôt. Pour aller la dépenser à l'autre marchand. Allez. 24 minutes. On a encore 24 minutes plus ou moins. Peut-être qu'on arrivera à faire l'autre tombeau. Je sais pas, l'autre truc. Là-bas. Non, là-bas. Ah, il y a un monolithe là-bas. On n'avait pas le niveau non plus à l'époque. Ça décrit quelque chose de proche. Je reste silencieux là où les flèches volèrent, protégeant une porte fermée à jamais. C'est pas par là. Non, non, c'est pas par là. Ici? Ah oui. Bon. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Alors. Ah. Ça doit être le monolithe. Oula. Taillé à la main d'un côté. Ah mais non, c'est, il fallait juste ici creuser. Ah ouais, il n'y avait même pas de tombeau. D'un ensemble plus grand. Ça me rappelle vaguement quelque chose. Mais je me demande... Lara. Enfin. Je crois que j'ai trouvé un de ces trucs en pierre. Ça, c'est le monolithe. J'ai les deux autres. Et maintenant? Maintenant, on les assemble et on découvre ce que ta grand-mère essaie de te faire comprendre. Pilar connaissait ma grand-mère mieux que personne. Retrouve-moi chez elle. Attends, qu'est-ce que j'avais noté là? J'ai un truc que j'avais noté à l'époque. Des coups de pétrole, ascendeur. Hop. Il y avait quelque chose là que je pouvais pas faire.